Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve avec ma petite Snowpeak M25. On va se tester la première fois des tirs à 100 mètres. Et c'est parti! Let's go au stand de 100 mètres. On va poser deux cibles sur le bloc de mousse. On va tester pour la première fois les tirs à 100 mètres. Et en espérant que l'on y arrive à faire quelque chose. Donc, asseyez-vous, prenez un petit café ou du lit suivant l'heure. Et c'est parti pour les premiers tirs à 100 mètres avec la Snowpeak M25 et son régulateur UMAR. Let's go! Allez, on va installer ça au 100 mètres et ça. Et on va déjà voir ce que ça va donner. Let's go! C'est parti! Mais c'est pas mal, elles sont grandes quand même. Et voilà, c'est installé. Donc maintenant, mais 100 mètres. On va voir ce que ça donne. C'est pas chaud. Le soleil est un peu bas là, donc au fond, ça caille. On va tester la première fois le 100 mètres avec cette Snowpeak M25. Et puis voilà quoi, avec son régulateur UMAR. Allez, je fais gaffe de pas me casser la gueule et on se retrouve là-bas. Avant toute chose, vous êtes les bienvenus sur le groupe Facebook. J'aime tirer trois petits points en plomb. On est là pour partager dans la bonne humeur, surtout. Pas de prise de tête, on est là pour kiffer ensemble. Bon, je vous retourne un peu pour voir la carabine peut-être. Alors j'espère que vous allez voir. Je vais utiliser des JSB les plus lourds que j'ai, enfin plus lourds, que j'avais testé. On a 1,64 g, donc ça fait du 25 grains, me semble-t-il. 25 grains. On va tester, première fois depuis un moment, le 100 mètres. Alors attends. Donc certainement qu'il va falloir rehausser le tir. Là, je vais le remettre parce qu'il était normalement 0T à 50. Et on est parti, premier tir, alors 0T à 50 avec des plombs plus légers. Donc là, on va pas s'embêter, on va viser la cible qui est tout en l'air. Ça tremblouille. Et j'en ai ma longue vue. Cette fois-ci, ce sera quand même beaucoup plus pratique. Oui, faut me le dire ça par contre. Pour enlever l'opercule. Ok. Ah, j'ai pas le pare-soleil. Il y a toujours un truc qui couille. J'ai le soleil qui est en plein. En face. J'espère que ça va pas me gêner, putain. Apparemment, ça me gêne. J'ai le soleil vraiment dans la gueule. Ça n'a pas l'air terrible. Peut-être reprendre des plombs que j'avais parce que... Je retire un troisième plus haut. Il se peut que là le réglage soit pas du tout bon. Alors là, mon ami. Vous savez quoi, on va se foutre le JSB comme j'utilise avant. En 1 gramme. Parce que là, forcément, faut que je comprenne un peu. Je pense qu'il faut que je fasse plutôt à 50 mètres en premier. Avec les autres là. Ça tapait le bois. Mais où? Je me doutais que ça allait être difficile. Il y en a que le 100 mètres, c'est une formalité, bah dis donc. Alors là, je tape dans le volet, non? Ouh, j'en sais rien. C'est là où c'est difficile. C'est pas du tout où tu tapes, en fait. Je vais faire un dernier plus haut, enfin le dernier, encore plus haut. Ben, mais pour moi ça a tapé. Je dis pas que j'ai fait 1000. J'ai fait 1000. Même avec ça je vois rien. Je vais réitérer. Je vais viser juste un poil plus bas. C'est le 1000 putain. Au pif quoi. Non, c'est pas ça. Ah, si, ça y est, je vois. Ah ouais, ok. Bon, on va relever le tir. Ouh, dis donc. Ok, bon, déjà, c'est centré. Taper en bas. Mais pourquoi je...
Et la tourelle elle bloque. Ça y est, j'ai compris. Chaque fois je crois que je suis embuté et en fait non, ça m'étonnait, je relève le tir et je crois que je m'étais planté. Un petit souci à mon avis. Bon, on continue. Donc cette fois-ci, je vais viser le centre de la cible du haut. Oh putain, mais je vois rien. C'est du tir au pifomètre là quand même. On va recommencer autrement. Oh ben j'ai le soleil vraiment devant. Donc je vise en haut de la cible du haut. Pour essayer d'y voir un peu, on va viser celle du bas cette fois-ci. Donc je vise au centre. Ah voilà. Ok, donc on va relever un peu. On commence à voir un peu où tirer. C'est déjà beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. C'est mieux. Au-dessus, on tire légèrement à droite. J'ai l'impression que c'est plomb quand même, ça lui convient. En tout, j'ai mis 8 clics pour ramener le tir. Yes. On s'en fait un, je pense qu'on va la recharger et on va essayer de faire une cible plus propre. Merde, là j'ai bougé, là j'ai bougé, j'ai bougé. Ça ne compte pas. Merde, j'ai bougé, bordel de merde. Putain, ça y est, je vais arriver aux 150 barres déjà. Allons manger. Ok. Je leur baisse de 3 clics. Ouh, voilà le plomb. J'espère que ça n'a pas trop abîmé. Putain, j'ai pas vu. On refait un dernier pour me confirmer le truc. Ok, on est pas mal. Ça marche. Mais on va la recharger. Et on va recommencer tout ça. C'est pas mal. Putain, mais je voyais pas en fait. C'est nul comme truc ça. Bon, c'est pas grave. Je vais utiliser encore celle-là. Et pas si mal franchement. On embouche avec ça. Et on recommence. J'ai mis deux punaises pour la tenir droite. L'autre à côté. Vu qu'on voit rien, ça sert à rien justement. C'est reparti. La carabine, bon, elle est rechargée à 210 bars. Cela commence à être long. J'ai voulu décharger les trucs, je suis foutu de la boue partout, je vais attendre. Donc comme on peut le voir, ça avait quand même tiré et l'autre en fait elle est nulle à chier comme cible, on voit pas. C'est pas réactif en fait. Elle est belle, mais c'est pas une cible réactive. Cette fois-ci on vise donc la cible ronde. Comme tout à l'heure, on va garder celle-là. Et attendez, où on est là-bas. Ok, allez c'est parti. Je le serai vraiment en face. Putain. En haut. Ok. Fait chier, c'est comme je la tiens pas comme il faut. Je vois rien. Pareil. En haut. C'est un autre exercice, 100 mètres, pas dire.
Bon, par contre, ouais, le soleil pile poil devant là, j'ai vraiment pas de bol. Hein. Putain. Alors quand il pleut, j'ai pas de bol, et là maintenant il y a du soleil, j'ai pas de bol. T'sais. Je vois pas. Ah! On a rétabli la hauteur. Donc là, je touche plus à rien. Je vise, j'essaye de viser toujours le même endroit, c'est-à-dire le 1000. Ah, c'est pas mal. Enfin. Un peu à gauche. Pour bien faire, il faudrait ramener à droite. Donc comme je dis, on va laisser comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas de vent. Donc déjà, pour les petits plombs qui sont légers, c'est pas mal. Eh. Le groupement est pas mal. On est déjà assez serré. On s'en refait un. Et je vais essayer de le ramener. Ça fera 4 tirs avec groupement identique. Enfin quasi. Ah ouais. Putain. Donc, putain, j'ai les yeux, je vois rien avec le soleil. Franchement, avec ce régulateur, elle est quand même vraiment pas mal du tout. Putain, vache. Donc cette merde là, on tourne comment? Si je veux ramener le tir à droite, donc si je comprends bien, je fais. Donc 4 premiers tirs, je n'ai pas touché la lunette. Maintenant, alors je pense avoir rétabli un peu à droite. Je sais pas. Là, je crois que je tire en bas. Là, je vois rien. C'est pas la peine. Je pense qu'on va se faire une pause. Merde, putain, fait chier, le groupement était pas mal. Ouais, parce que là, c'est chaud. J'ai pas de... Je peux pas faire autrement. Et merde. Là, j'y verrai. On va essayer avec ce petit... La casquette en rack, comme ça. Je tapais où? Eh, c'est pas à côté du 1000. Ça m'a l'air. Bon, enfin, en tout cas, j'ai l'air d'être... Enfin, j'ai l'air... Ça a l'air pas mal du tout. Pas mal du tout, je dis. Carrément. Regardez comme il reste. Il reste 180 bars. Je vais la recharger, putain. J'ai rebouché les pastilles et on va attendre un peu voir ce que le soleil se cache. Et c'est quand même pas mal. Là, bon, j'ai le soleil, j'arrive pas à voir ce que je faisais. Premier tir, réglage et après, voilà, je suis resté groupé. Hop, ici, j'ai ramené un peu trop. Puis après, voilà, on est quand même pas mal. On est à 100 mètres, je le rappelle. Donc je rebouche, on attend un peu que le soleil se couche. Un peu pour essayer de refaire un tir. Et bien sûr, j'ai rechargé ma carabine. L'ultime bafouille, l'ultime recharge a été faite. J'ai rebouché les trous. Je veux juste par curiosité. Putain de merde, tout tordu, toi. Bon, bah tant pis. Par curiosité, c'était les JSB en 1g 14 ou 16. C'est du combien? Du 20 grains, ça. 18 grains en 1g 17. Voir où il tape. Voilà. Déjà pour moi, pour savoir. Donc le premier tir, c'est avec les JSB, c'est pas les FX. Précise. Oh, ah non, mais là, Jérôme, je crois que j'ai plus que bouger. Donc celui-là compte même pas. Allez, ensemble, on va faire les FX parce que là, pas perdre mon autonomie pour rien. Allez, on est reparti donc. FX 100 mètres. M25. On va voir ce que ça va donner cette fois-ci. Le soleil, il faut encore un peu chier. Waouh. À mon avis, les FX lui conviennent pas mal quand même. Là, si le deuxième confirme ce premier tir, ouais, un peu haut, mais on tape dans la cible. Vous allez me dire, ouais, super, ah oui, bon. Je suis assez satisfait déjà de ça. Avant, c'était pas le cas. Ah ouais, donc là, je touche pas au réglage. On va se faire 5 tirs déjà pour se rendre compte un peu. Déjà, on a vu tout à l'heure, c'était quand même pas mal. Bah, ça fait un... ça bouge, mais c'est quand même, écoute, on y est. Hein. On s'en refait un, et après je vais tester mes JSB. On a 200 bars, j'ai chargé encore qu'à 215, je crois.
qu'on peut observer voir et en chier un peu. Donc finalement, peut-être qu'une bouteille sera la solution pour venir au terrain. Et à côté de l'autre. C'est quand même pas mal. Putain, il en sort fait un. C'est quand même pas mal. Voilà, c'est vraiment un premier tir. Je suis assez satisfait, parce que moi, le 100 mètres, voilà, je pratique pas non plus tout le temps. Merde, j'ai pas vu. C'est à droite, hein. Ouais. Ok. Donc, il sort pas encore un. Donc, c'est pas mal du tout par rapport à avant. Avant, je sais que je tâtonnais. J'ai déjà essayé, même hors caméra, pff, chaud. Ah ouais. Au-dessus du tout premier. Non, à côté, je veux dire. Et allez, on va se faire le dernier fixe. Voilà, ça fera les premiers tirs du coup de ma M25 au 100 mètres avec son nouveau régulateur. Voilà, un peu en bas. Ok. Voilà. C'est quand même une Snowpeak, c'est pas une FX. C'est pas le même tarot. Donc moi, je trouve que elle se défend pas si mal. Bon, là, on va se taper les JSB. Donc je suppose que il va falloir que je relève le tir. Comme ils sont un peu plus lourds. Donc, ce que je vais faire, je vais viser la pastille rouge qui est en haut. Bon, elle n'est pas centrée, mais. Eh, mais merde, j'ai pas vu. Merde, j'ai pas vu. Si vous, vous savez. Merde. J'ai pas vu où j'ai tiré. Putain, soleil de merde, quel pipoil. Je vais refaire pareil. Oh putain, je vois pas. J'arrive pas à savoir si c'est les impacts qu'il y avait. Je vais viser le centre, voir. Est-ce que je vais taper comme ça du coup en bas de la cible? Putain, le soleil pile poil, je vois toujours pas. Ok, ça y est, j'ai vu. Donc là, il faudrait forcément relever le tir. On s'arrête. C'est pas évident. Bon là en plus c'est pas évident avec le soleil dans la gueule. Il fait bon, il n'y a pas de vent. Eh ben non, faut que je vienne de nuit quoi. Putain, chien. Bah ben, à mon avis, je vais le recaméra parce que là je vois rien. Je sais plus tout où je tire. Et quand c'est comme ça, du coup, ben, tu touches ta lunette, tu dérègles. Et après c'est la merde. À la droite. Bon, allez. Je me fais mon dernier FX. Donc là, du coup, le réglage. Je vois plus rien. Je sais plus du tout. Putain. C'est du n'importe quoi. Déjà, je suis content. Les cibles sont plus grandes. J'ai enfin. Hop là. Comme je les ai reçues. Déjà, pour les premiers tirs, j'ai su un peu où aller. Mais putain, soleil en face, là, il est. Waouh, mauvais. Ok, je verrai avec la cam. Je pense qu'on est pas mal, mais sans certitude. Allez, on va arrêter la vidéo là. Non, on va aller chercher ça et on fait la petite conclusion. Eh, le soleil dans la gueule, j'ai les yeux explosés quoi. Donc l'hiver, je sais qu'à cette heure-là, faut pas venir. Putain. En vrai, faut venir à la tombée quoi. Ouais, chier quoi. Je verrai, à la rigueur, je fais une nocturne. Ah, pourquoi pas. Ouh, ça glisse. Donc ouais, pourquoi pas, je foutrai ma petite lampe torche et on se fera un tir nocturne à 100 mètres. Ça, on sera pas emmerdé avec le soleil. Par contre, faudra faire gaffe au marché. Allez, on y va. Ça y est, bon. Donc là, je sais pas. Voilà, quand je serai chez moi, ça, je sais que c'est moi qui ai raté. Il y a quand même 1-2. Il y a 1-2. Donc là, je crois qu'il y a qu'un. 1-2. Après, voilà, je groupe. Et franchement, à 100 mètres, c'est le premier tir. Je suis assez satisfait. On va se prendre une petite photo. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ça, c'est d'Adobe. C'est pas du tout une cible réactive. Je croyais. Bon, en fait, tu vois que quand tu t'y approches, c'est de la merde. Bon, allez. C'est pas mal. Pour les premiers tirs, franchement, il y a un progrès, je trouve. En tout cas, la Snowpeak est quand même beaucoup mieux qu'avant. Avec son régulateur UMAR. Donc, non, je regrette pas du tout. L'avantage, c'est que cette bécane, quand même, quand tu vois le prix que tu achètes, tu rajoutes le régulateur, j'arrive à faire un petit carton, pas si moche, à 100 mètres.
avec une machine qui a 400 balles. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec du FX, évidemment. Mais franchement, je suis déjà très satisfait. 30 mètres, génial. 50, top. 100 mètres, c'est appréciable. On va dire qu'il y a de quoi se faire plaisir. Mais 100 mètres, putain, c'est déjà autre chose. Hein. Donc non, je suis vraiment surpris, putain. Donc je regrette pas du tout l'avoir changé ce régulateur. Allez, hop, on va s'asseoir. Eh bien allez, cette vidéo va s'arrêter ici. Toujours soleil dans la figure, mais un peu de côté. Je le saurai pour les prochaines fois. C'est pas un super carton, mais on est quand même à 100 mètres, je le rappelle. Donc j'ai testé FX, après j'ai voulu faire autre chose, donc des impacts là où je ne voulais pas. Mais réellement, le FX en gros groupe dans le 8. J'ai réussi en tout cas. Donc je suis, pour l'instant, hyper satisfait de cette carabine, surtout quand on connaît son prix. Donc pour ceux qui en ont une, régulateur UMAR, franchement c'est de la bombe, c'est génial. Je vais certainement racheter des FX Airgun parce que ça m'a l'air de, les apprécier pas mal. Donc, eh bien, super satisfait de cette carabine. Comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin de dépenser 2000 euros pour se faire plaisir. Bon, après, évidemment, on n'a pas les mêmes résultats. Je suis conscient. Mais bon, voilà, ça permet d'avoir d'autres carabines. Allez, moi, qu'est-ce que je vais faire? M'amuser avec mon petit drone. Je vais après bricoler, faut que je ramène des trucs là pour marcher. Et puis voilà. Bon, les mecs, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, malgré le fait que j'ai soleil dans la gueule. On reviendra une autre fois pour, confirmer le truc et tester d'autres plombs, évidemment. Donc maintenant, je vais vous dire, comme d'habitude, de partager, de liker, abonnez-vous si ça vous dit, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Pas mal, quand même. C'est pas mal.